On est d'accord que tu joues debout, yes! Je suis 80% du temps debout, je dirais, même peut-être un peu plus sur mes lives. De temps en temps, on s'assoit, petit tabouret, tabouret haut, qui fait le taf. Ça m'a permis d'avoir un peu plus d'énergie, de faire des streams beaucoup plus longs, en vrai. Il n'y en avait pas un seul qui dépassait 16h30 avant, parce que bah, j'étais KO. Mais là, maintenant, on fait de temps en temps des petits 18h, 19h même, lundi. Ouais, bon, Yone me trucide level 1, il n'y a pas de... C'est un peu comme une Riven, hein, level 1, il n'y a pas de match-up. Du stackland de prévu, peut-être, peut-être, j'avoue. Alors, j'ai refait une run parce que j'ai delete la première. Mais je suis au même stade. Juste, on n'a pas exactement les mêmes stuff et trucs comme ça, mais... On verra, en vrai, en fonction de l'état de la solo queue aujourd'hui. Ouais, j'ai un peu trollé, là. On est obligé de se prendre un midlife bien mérité. Non, ça c'est un bon farming. Du coup, on a loupé qu'un creep. Ok. Un peu oppressant. Bon là il l'a hein. Ouais voilà. Nickel. Oh dommage, il aura pas le first blood. Ah oui d'accord. Un double kill swine. Ouf. Dommage, le Z a pas eu le first blood. Il a joué trop agressif le Yone. Après il avait fait un bon early game mais le gank était assez pas même trop simple. Pour qu'un Z te fonce dessus comme ça, c'est que t'as chié dans la colle. Alors, j'aurais. Ok. J'aurais pu follow-up après. Mais je comprends qu'il recule. J'ai juste peur de la sèche maintenant. Et je me retrouve sur une wave pas très belle. Pour pas dire dégueulasse, évidemment. Non! Sans le coup de tourelle la prochaine fois. Nice. Oh, il doit avoir le démon parce que j'ai pas très bien joué, mais. Il est très déçu. Oh la vache. Ah ouais, par contre, le Swain 3-0. Je vais jouer Renekton, je vais être en frontline contre un perso qui va me déchirer. Ça va être agréable, hein. Je crois que c'est la première fois en 2 semaines que je vois une game sans H, sans KSA, j'exagère. Pas tant que ça. En vrai, elle était pique ou ban. Hein. Ça fait plaisir un peu d'avoir eu le gros nerf KSA là. On n'en pouvait plus. Hein. Yone, il commence à perdre de la boulette là. C'est un peu cher mais... J'ai envie de garder un freeze là. La wave est belle. Ok. Le 0-3-0 ADC. Oh la vache, mais c'est même pas close quoi. Oh ouais non, c'est un massacre. Notre jungle a réussi à faire un gank top. Leur jungle a réussi à faire un gank bot. Fin de la partie. Bien joué à tous. Ah attends, il y a peut-être le Yone qui int. Il swap lane avec une lane qui est freeze. Donc son mid laner va tilt. Parce que ça veut dire qu'il y a un des deux solo laners qui prend pas le farm. Si c'était pas le Yone, bah c'est la Qiyana qui perd tout.
Faut juste se dire, c'est pas grave si le Lyonnais, lui, il est en train de ne pas perdre tant que ça de retard. Enfin, de pas prendre trop de retard. Juste faut se dire, il y en a un dans l'équipe adverse qui est en train de chialer là. C'est dommage que. Ah, il y a la Xayah qui est en run down. Ouais. C'est dommage. Le Yone est en train de troller à décaler mid pivot et la Xayah run down. Bon, heureusement j'ai pris démolition, je peux prendre un peu plus. On sait très bien qu'il y en a des Sekin, ça va être compliqué de gagner mais. Ouais, je m'en fous qui. Ah. Oula, j'ai rien dit. J'étais à ça de mourir. Hein. D'ailleurs, je m'en fous s'il va sur sa tour, je le bute. On n'a pas le temps de prendre la tour. Pas une plaque. Trop d'HP. Je suis un peu une TP wasted peut-être, mais j'ai bien envie qu'on fasse le full topside. De toute façon, bot, ils peuvent plus jouer pour la botlane, ma team, donc. Ah, le Z va quand même aller botside. Je sais pas pourquoi il trade. Il a pas d'intérêt à trade, le Yone. Ah oui, d'accord. C'est du gigatil ce qu'il est en train de faire. Ah la vache, la reine, je suis choqué. Deux fois il m'a mis un Q-spell, je m'y attendais pas, hein, j'avoue. Oh nice, beau shot dans ça. Oh, le Yone est pas top. Je croyais qu'il allait TP. Pas pour moi. Je croyais qu'il allait téléporte, j'étais en train de me faire autre chose. Ok, il y a le mental du Yone qui permet que la game soit... Sérieux ? Soit winnable, mais ça va pas être évident, quoi. Faut vraiment se dire qu'il y a un mec qui est en train de hint. Et vu que mon ADC est en tilt mais ne hint pas, juste est nul. C'est winnable. Celui-là est en train de faire tilt la Kiana, les Kiana players peuvent être des gros tilters aussi. Du coup on est en train de stomp mid et top. Ça joue. C'est fou League of Legends hein. C'est quand même une dinguerie de jouer à League of Legends et se dire qui va avoir le plus bel étron. Qui aura le plus gros déchet dans sa team. Non 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 non, fight pas, j'aimerais bien. J'ai un tout petit peu slow. La botlane elle a pas envie de jouer safe hein. Ouais je peux pas back pour l'instant. Il y a sûrement la Sejuani top, on va faire gaffe. Ouais. Je pense qu'il y a les top.
Non, qu'elle est là. Oh, j'ai cru que ça ne l'était pas là. Le petit pixel HP. Ok, c'est nice. On récupère encore pas mal de thunes et j'ai la First Tower qui devrait tomber sur l'action. Ok, on recall. On est pas mal dans la game là. Alors, je suis un sacré bestiau là. Il a un sacré bébé. Il va pas freeze la lane? Si, il va freeze. Je me demandais. Je pense qu'il va être full égoïste, ça m'étonnerait pas. J'aimerais bien récupérer des plaques. Sur la mid lane, on a 12 minutes. Je laisse juste prendre la wave à la limite, je m'en fous, mais. Bot lane qui continue de jouer aggro, c'est pas. Pas le plan. Non, non, il y a l'ADC qui troll. Faut que je sois top et il m'empêche d'aller top. Faut que je. Ah, c'est chiant. Ok, ça va. Ils ont un peu hint à vouloir moline. J'ai pas compris. Enfin, me trade. C'était même pas un all-in, c'est ça que je suis en bas. Il a mis les damage. Putain, en train de farm tranquille. Ouais, je pense qu'on peut pas le proc. Ok, ça va. C'est le Vlad du coup qui peut farmer. Ok, ça va, ça va, ça va. Ça, c'est vraiment la personne qui run down le plus. C'est trop sad. Ils ont deux mecs qui. Enfin, non, la Kiana elle a l'air de vouloir jouer, mais elle se fait hint par le Yone. Et du coup, ils ont deux joueurs en fond, au fond contre deux joueurs au fond. C'est vraiment. Un de jeu. Oh, je vais garder le bouclier de Doran. J'ai envie de me stuffer face, face, face là. Un skin préféré, Malfito Trèfle. Meilleur skin du jeu. On a récupéré 11 plaques. Ouais, les mathématiques. Winner loser queue, ça existe. En fait, oui et non. C'est juste, t'auras des moments où il y aura plus de potentiel de perdre. Mais vraiment, tu peux. Et ça se voit sur les pros. Faire du 70-80% de win rate. Donc, ça veut dire que. Il y aura des games qui seront impossibles à win. C'est plus ça. Et des fois, tu vas enchaîner 3-4. Mais ça veut pas. J'ai regardé Serdosh, ça faisait longtemps. Et hier, il s'est plaint de sa team 3 fois d'affilée. Et la dernière game, il arrivait à se plaindre de la draft. Bref, si vous avez envie de vous plaindre. Il y aura toujours moyen de se plaindre. Allez, nice. Et la dernière game, c'est lui qui l'a run down dans la partie que je regardais. J'étais en mode bon. Et il parlait que de loser queue plutôt que de se concentrer sur son gameplay. Et on sait qu'on va avoir des games impossibles à win, mais. Mais il y en a certaines. Moi j'ai dit, il faut juste être le poids léger dans certaines games, le hyper carry dans d'autres. D'autres parties, un mec normal. En mode 50-50, tu joues juste bien et c'est une bonne petite partie de League of Legends. Il y en a d'autres, bah tu pourras rien faire. Et plus t'es régulier et plus tu auras des pourcentages de win qui seront bons. Et plus t'es un monstre, et bah plus tu pourras faire un gros win rate. Moi mon objectif ça serait d'être un joueur régulier pour pouvoir passer Chal, truc comme ça quoi. C'est un de mes plus gros défauts, c'est que je suis clairement pas régulier. Après ça me fait aussi des belles games d'hyper carry, c'est agréable mais bon. Dur dur là, j'ai envie de recall d'abord. On est en train de faire notre troisième item, on a 16 minutes de jeu. Après c'est Renéton, hein. Je vais pas pouvoir un V9.
J'aime pas cette attitude. Bah, surtout que le gros problème en vrai de vrai pour. Bah, je sais pas s'il le fait à toutes les games à chaque fois, vu que ça faisait un moment où j'avais pas de check. Mais littéralement sur les 4 games que j'ai regardé hier, les 4 fois il a parlé de l'algorithme et ah, de toute façon y'a rien à faire, c'est une losing queue. Ah, regardez, peut-être qu'on peut gagner parce que winning queue, je suis maintenant. T'as. Juste, je joue la game, enfin. Et c'est hyper chiant à écouter quelqu'un qui parle que de ça, genre. Vraiment, il y avait zéro CD. Je faisais que de le dire. J'aimerais bien qu'on arrive à récupérer le héros. On a juste de la chance d'un truc, c'est que c'est un soin fed au rôle d'ADC. Ce qui fait qu'il est pas trop haut level. Du coup, on a pu le déchirer. Hey, il a senti le sandwich arriver. Nice. On va aller défendre bot. On leur laisse pas de tourelle. Ah, attends, j'ai un petit peu mal joué là-dessus. Je pouvais faire perdre. Ok, si je vais perdre le sbire canon, c'est cool quand même. En fait, j'ai rien à faire là sur ce timing là. Donc, tant qu'à faire, autant faire perdre un petit peu de farm à l'adversaire. C'est très léger, mais c'est de l'XP, c'est tout. Ah, il casse les couilles, la Xayah. Hein. Oh! Le Yone et la Kaisa, c'est. Et la Xayah, pardon, c'est un. C'est un délire. Hein. Gaëtan sur LoL, c'est un bon joueur, mais. J'avais commencé à bien regarder ses lives et tout, il était tellement aigri que c'était. C'était usant à force. Il avait le bon mindset et je sais pas ce qui s'est passé, il a. Il a brillé. Après, peut-être qu'il va re-changer, c'est tout ce que je lui souhaite. Oh. Pas plaisir ça. Mais vous savez très bien que si vous faites un. Mais T-Back, même sur mon live, tu me marques un regard ce que. Comment tu joues. Enfin, à ce que tu joues bien d'abord avant de parler. Moi aussi, je te mets un perma, c'est normal. Tu sais que la personne elle est en train de faire une game. Je suis d'accord qu'il y a des streamers plus délus que d'autres, mais. Mais cette phrase n'a rien de constructif, tu sais très bien. Wouah la vache. Par contre que le Z soit même pas là, je comprends même pas comment c'est possible. Ah, elle va être trop dur à jouer la game. Oh, ce que je viens de me prendre. Bon, je l'ai activé un petit peu trop tôt mais ça aurait rien changé malheureusement. Ah, la bot diff est colossale, hein. Ouais, j'ai pas mal rejoué à Trox. Là, après, il s'est pris un nerf. Je sais pas ce que ça donne, tu vois. Je pense qu'il est toujours bien, en vrai. Le nerf est pas non plus... Je sais pas c'est qui Ninu Chrysalid, j'avoue j'ai pas suivi, je savais pas que Stardust faisait une team. Ça va être si dur à carry. On a le flash, j'ai mon ult. C'est nice. J'arrive à garder ma rage. Mais vraiment. Ouah, je sais pas quoi faire. Ah, déjà, par exemple, ce genre de game, j'aurais pu être juste normal et c'était perdu. Ça arrive, tu vois.
On a très bien joué, donc on avait une petite possibilité de gagner, mais... ça restait limité, malheureusement. Oh, je jure, ça a touché. Ah la vache. Là j'ai pas le temps. Non, mais une auto-attaque. Oh, oh c'est dépressif hein. C'est très dur de voir ça. Of course he's 1 HP, then a stopwatch. Ah. Il a un HP parce que tu l'auto-attaques pas. Et il a une stopwatch parce qu'il l'a acheté et qu'il est bien dans la game et que tu l'auto pas. Je comprends pas comment tu peux... T'as gagné des viewers ces temps-ci ou c'est moi? Depuis l'année dernière, ouais. Enfin, depuis l'année, pardon. Depuis le début de l'année, on est bien monté en viewers. J'avoue que c'est cool. Mais reste au corps à corps. Bon. De Sarri, ça fait plaisir. J'ai gagné pas mal de follow. Ça se passe bien, la vie est belle. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Ah, le swine, là, il commence à être très, très compliqué. Ça pourrait t'intéresser de travailler une prépa mentale. Non, j'ai pas le temps pour ça. Prépa mentale, ça va, c'est pas mon problème. Mais j'ai pas le temps pour ça. On m'avait déjà proposé, c'est vachement intéressant, mais... mais compliqué à appliquer. Oh, je jure, ça touche. Alors moi j'ai plus l'habitude de me barrer quand je vois l'ulti Swain que d'Olin. Oh la vache. Oh je sais pas quoi faire avec ça. Encore une fois, le Z a Olin avec un Swain qui était sous ulti. Genre c'est pas du tout le bon timing pour y aller. Ok, il a eu le... Putain, j'ai pas eu le crime, j'ai le démon. Mais j'ai appuyé pour... Ah, peut-être que je l'ai rancédé. T'as OS5. Encore une fois, t'as all-in sur un mec qu'il ne faut pas all-in sur ce timing, ça paraît logique. Le Z est pas très bon, mais c'est notre meilleur joueur, du coup... c'est dur, dur, dur. Les gens, quand vous vous plaignez d'avoir des teammates qui vous font perdre la game... Je ne comprends pas cette question. Alors comment vous faites pour gagner une game si votre botlane est mort 20 fois? Eh bien tu la perds et tu fermes ta gueule. J'essaye d'aller en late game, qu'ils aient du stuff et qu'ils essayent de jouer correctement. Ça paraît logique. Alors, regarde exactement ma game. Ma botlane est morte 21 fois en 25 minutes. Je fais une game XXL. Bah, elle est très difficile à gagner, on essaye de tamponner, on essaye de voir où il y a des erreurs et on joue la partie avec un handicap, mais on essaye. Y a rien de pire qu'un viewer qui dit « J'ai une team qui joue trop mal et j'arrive pas à gagner, comment je fais ?» Bah, tu perds. Rejoue bien correctement la prochaine game et tu vas voir, tu vas monter, c'est bizarre. Bon, à part si t'es un mec qui a un monstre en termes de KDA qui sait pas jouer la suite de la game, mais... Là tu vois, on crée un speed push, on essaye de proposer quelque chose. Je suis étonné des focus des tours là aujourd'hui, ça fait deux fois que je me prends des coups. J'ai l'impression que je devrais pas être en range. On essaye d'apporter quelque chose.
Et on verra après si ça peut... Si ça peut nous faire gagner la game. Ah non mais surtout qu'on a tous eu une team qui a int et on s'est tous fait... On a tous int une partie aussi, c'est ça qui me fume. Non, le problème c'est qu'ils vont finir la game, du coup avoir l'inhib c'est cool mais... Ils vont tous back. Bah, cassez les couilles, y'a mode chase lui. Ouais, je peux pas TP derrière. Mais voilà, exactement ce qu'il faut faire là par exemple, tu vois. J'ai bien joué. Là, je fais vraiment ce que je peux pour essayer d'apporter la grosse diff. Alors, est-ce que ça va passer? J'en sais rien, mais. Mais je peux pas faire plus. Et du coup, Moxaya, elle va commencer à avoir peut-être un deuxième item à 28 minutes de jeu. Et scale un peu, tu vois. C'est pas mal. Non, pourquoi tu t'en vas? Dommage. Le fait de rester au corps à corps avec moi, on était bien. Genre il a fait oh j'ai fini mon combo mais la Sejuani elle peut pas enfin. Oh putain elle a pu tanker. C'est trop difficile là. Oula, le Z il est parti en mode playmaker. Ce qui est bien, c'est qu'il a récupéré l'autre Drake tout à l'heure. Non, mais t'éloigne pas de moi. Oh, il avait son flash, my bad, j'aurais jamais dû y aller. Aïe aïe aïe. Allez. Bon, en vrai, ça a bien tempo. Allez, tue. Nice, le smite. Hop. Ok, nice. Inhibi. Ah, inhib, juste. Avec la wave. Ok, pourquoi pas. Oh. Non. What the fuck, il a fait le pire air. Oh, on prend pas d'inhib, du coup. Oh non! Le Z il se plaint de plein de trucs, mais juste. C'est pas grave, tant pis. Tant pis. Il se plaint de beaucoup de trucs, le Z quand même. J'aimerais bien qu'on attende un petit peu. Il y a peut-être un catch à faire top. Oh la vache.
Oh, je me fais permassisser en plus. Je sais pas pourquoi le pack m'a pas fini. On finit, on a gagné la game. GG. Oh, I tried GG, ouais, je te jure. La Xayah. Bah, la botlane en 25 morts. La Xayah tried to. Et je me dis, hein, si le Yone avait pas tué la game, elle était impossible à win. Bah, le Z a réussi à tous les tuer, mais par contre, je sais pas comment ils ont fait pour les autres mourir derrière. Le Z a tué les deux. Parce qu'ils m'ont chase, mais ils m'ont pas. Je sais pas, le Pyke a misplay, il m'a pas terminé là-dessus. Et B. Et voilà, c'est exactement le scénario du. J'ai une team qui pue la merde, et vous voyez, en plus, on est à un haut niveau quand même. J'ai une équipe. Enfin, une équipe. Mon Z était bon, mais faisait beaucoup trop de petites vies fail. Du coup, c'était pas évident. Après, moi aussi, j'en faisais des fails, mais vu que je suis bruiseur, entre guillemets, ça se voit moins, mais j'en faisais aussi. C'est vrai qu'un assassin, quand il fait une erreur, c'est sad. Non, on vit de l'honneur parce qu'en vrai, comme je dis, c'était notre meilleur joueur. Et bah, j'ai une équipe qui est horrible. Si je fais pas une game XXL, elle est free lose. J'ai fait une game XXL, donc c'est cool, tu vois. Content. Mais ouais. La Xayah a dit que j'ai easy, ouais, c'est vraiment. Après, je sais que c'est. Elle le sait même que c'est de la merde, mais. On était sur un bon kill, de toute façon. Mais en tout cas, c'était bien, tu vois. Ouais, le Vlad aussi était bon. Mais c'est Vlad, quoi. C'était lent à se mettre en place. Et surtout, c'était un Vlad qui était contre une 0-3-0 Qiyana avec le Yone qui allait sur la mid lane, tu vois. On a eu vraiment de la chance que le Yone int. Parce que Vladimir, c'est dur à mettre un setup. J'en ai CAD. L'inip top, il a été clutch de fou. Tu vois, je me suis plaint de mes teammates, mais parce que bah, c'est chiant. Mais il y a toujours des options. Tu te concentres sur ce qui est jouable. Et bah, tu vois, par exemple, j'ai vu que groupé, il n'y avait rien à faire. Ouais, marquer easy, ça ne vous sert à rien. Surtout quand vous avez fait une game de merde. Et en plus, vous pouvez vous faire ban. C'est vraiment. L'intérêt est vide. Bah, en tout cas, content. Très, très bonne partie. Très, très, très belle game.